Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les samedis à 10h sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle session de sport, une nouvelle session de fitness. Aujourd'hui, on va travailler sur les cuisses et les fessiers. Alors, juste avant de commencer, je vous invite à venir me suivre sur les réseaux sociaux Coaching by Guillaume sur Instagram, sur YouTube, évidemment, sur Facebook, sur LinkedIn. J'ai créé un groupe Facebook pour vous accompagner, pour que vous puissiez partager vos expériences sur le sport et sur la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas à le partager et à le rejoindre. On est parti tout de suite sur notre session ensemble. Alors aujourd'hui au programme, 4 exercices pour renforcer les cuisses et les fessiers, une petite session pour le bas du corps de 10-15 minutes comme d'habitude. Alors le premier exercice c'est tout simplement un squat classique avec une pseudo fente. Je vous montre tout ça de profil, on descend sur un squat, j'envoie ma jambe gauche en arrière tout en gardant cette flexion sur ma jambe droite, je reviens et je remonte. Je redescends sur le squat, j'envoie ma jambe droite tout en gardant cette flexion sur ma jambe gauche, je reviens et je remonte. Ok, on est parti sur 20 reps. Allez, on y monte. Le squat, la jambe gauche en arrière, je reviens et je remonte. Le squat, la jambe droite, je reviens et je remonte. Très bien, 2. Pense à bien souffler. 3. Allez, on contrôle bien le mouvement, on va pas trop vite. Vous voyez, on a un bon petit rythme. On essaye vraiment de s'appliquer sur les mouvements, surtout quand on envoie notre jambe. Hop là, surtout quand on envoie notre jambe en arrière. Parfait, 6. 7. Allez, pense à bien souffler. 8. Le squat, la jambe gauche, je reviens et je remonte. On a la moitié, 10. Allez, pense à bien souffler, comme d'habitude. 13, 14, 13, 17, on commence à sentir les cuisses et les fessiers qui chauffent sur ce mouvement, on se concentre bien sur la position. 9 et un dernier squat, je descends, je reviens et je remonte. Super, on part au sol. Deuxième exercice, on part sur le pont. Exercice classique, tête et épaules relâchées, les bras sur les côtés. On va tout simplement avoir un écart de hanche au niveau des pieds. On va essayer de pousser dans le sol avec nos talons et de lever en même temps notre bassin en contractant les fessiers. Vous pouvez toucher normalement, c'est vraiment très dur. Et on a un alignement genou, bassin, épaule. Je contrôle la descente, je reviens frôler le sol et je repars vers le haut. Ok, on est parti sur 15 reps sur ce mouvement. Allez, on y va ensemble. Et je contrôle tranquillement la descente. J'essaye vraiment de frôler le sol, de ne pas relâcher complètement le poids. On garde toujours une tension. Vous vous souvenez, on pousse dans le sol avec vos talons pour avoir une contraction volontaire. Allez, 5, on va jusqu'à 15 sur ce mouvement. On prend le temps. 6, super. 7. 8. Allez, on se concentre bien sur le mouvement. 10. 11. Je monte, 14, dernière et 15, super, on se relâche tranquille, on monte, et on enchaîne sur les fentes latérales. Troisième exercice, on part sur une position de base là-dessus et on part tout simplement sur la droite. Je fléchis ma jambe droite, sans évidemment avancer mon genou vers l'avant. Je reviens. Pareil vers la gauche. J'envoie ma jambe gauche. Je fléchis sur ma jambe gauche. Jambe droite tendue, pied droit collé au sol. Et je reviens. Ok. On est parti là-dessus pour 20 répétitions. Je vais faire un petit peu de profil pour avoir plus de place.
Allez, on est parti. Je descends, je reviens. Voilà, on essaye de garder toujours les deux pieds bien à plat, bien collés au sol. Ça, c'est important pour vraiment avoir un étirement sur notre jambe tendue et venir travailler l'adducteur. Allez, on ouvre bien en arrière, hein, comme si on descendait sur un squat. Parfait. Allez. 8. 10. 13. 13. 14. On part en arrière. On se concentre bien sur la respiration. 16. Jusqu'à 20 sur ce mouvement. 18. Allez, dernière. Et on se relâche. Super. On part au sol et on va envoyer cette fois sur les donkey kicks. Alors, position 4 pattes, les genoux dans l'alignement des mains. On va tout simplement envoyer notre jambe droite vers l'arrière, d'accord, sans partir vers le haut pour l'instant. On revient. Cette fois vers le haut, on revient et sur le côté. Ok, ça, ça nous fait une répétition. Et on fait 8 répétitions à droite. Puis 8 répétitions à gauche. On est parti? Position 4 pattes, jambe en main, jambe en arrière. On essaie de toujours garder pointe de pied vers le sol et sur le côté. Très bien. Allez, 2. 4. Très bien. 8, hein, on essaye comme d'habitude de contrôler le mouvement, vous avez l'habitude hein, maintenant sur nos vidéos, sur le renforcement on essaye vraiment de jouer sur un gainage total du corps, vous le sentez, hein, on a un gainage évidemment au niveau de la jambe et des fessiers et des cuisses, mais surtout au niveau des abdominaux et du dos, on ne doit surtout pas forcer le creux. Hein. Ok, 8, pareil de l'autre côté, je me tourne. Allez, on est parti. Jambe gauche en arrière. On revient vers le haut. On revient sur le côté. On essaie à chaque fois d'avoir le pied flex. Pied flex égale pointe de pied ramenée vers vous, vers le bas. Très bien. Vers le haut, pardon. Et sur le côté. Super. Pensez à bien souffler. Hein. Comme d'habitude, on essaie de ne pas se mettre dans le rouge. On a la moitié. 4. 5. Allez, super. Contrôle le mouvement. 6. 1. Dernière. Vers le haut. Et sur le côté. Très bien. Donc, on se relâche un petit peu les fessiers. Et globalement, le corps sur la position de l'enfant. On essaie de s'asseoir sur nos genoux. Le front relâché dans le sol, les bras détendus. On se relève doucement après. Très bien. On peut revenir debout. Super. On a terminé du coup cette vidéo. 4 petits exercices. Si vous voulez vous faire un, évidemment ces 4 exercices une deuxième fois, aucun problème. Au contraire, le but c'est de le faire 2, 3, voire 4 fois. 4 petites séries si vous avez le temps. Nous, l'intérêt hein, c'est que les vidéos ne durent pas plus de 10-15 minutes. C'est pour ça qu'on s'arrête à chaque fois au bout d'une ou deux séries. N'hésitez pas évidemment à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, Coaching by Guillaume, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube. J'ai créé un nouveau programme Mental and Body pour le coaching à distance, basé sur le sport et la confiance en soi, qui va vous permettre évidemment de booster votre confiance en soi grâce à votre pratique sportive. J'ai aussi créé un groupe Facebook en rapport évidemment avec ce programme, Boost ta confiance en soi grâce au sport sur Facebook. N'hésitez pas à le rejoindre, tous les liens sont évidemment dans la description. On se retrouve comme d'habitude tous les samedis à 10h sur cette même chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de sport, de fitness. Et on reprend notre créneau du mercredi à 18h pour une petite session de discussion sur l'estime de soi et la connaissance de soi à partir de janvier 2021. Je vous dis à très bientôt, ciao.
crying little. Yoga.